va revenir au catéchisme du bon citoyen avant, pendant et après les élections. J'ai les deux invités, monsieur l'abbé José Poundou, qui est là devant vous. Monsieur l'abbé, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Jean-Pierre. Et Modeste Bonigaba, monsieur Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibangu. Je voudrais tout de suite vous dire, chers invités, que nos téléspectateurs ont beaucoup apprécié les émissions antérieures et ont particulièrement félicité monsieur l'abbé José Poundou pour ses lois ou ses règlements. Les commandements. Les commandements qu'il nous a proposés. Certains ont même demandé de lui demander d'où il tire tout ça, de sa tête, comment ça vient, est-ce que... Voilà, la première question est posée à monsieur l'abbé. Eh bien, c'est 10 commandements pour une élection responsable que nous avons présenté la fois passée, viennent pas de moi. Ça vient de Philippines, le conseil des laïcs de Philippines. Mm-hmm. Hein, ce sont eux qui ont élaboré ces 10 commandements et nous les avons adaptés. Hein, nous les avons adaptés. Hein, ça a été... quelque chose que j'ai repris dans un petit livre que j'ai écrit intitulé « Session pour les élections ». C'est un petit livre que j'ai conçu pour préparer, former les citoyens à une élection libre et responsable. Voilà d'où viennent les 10 commandements pour une élection libre et responsable. Alors, monsieur Bonigaba, un commentaire par rapport à ces émissions. Qu'est-ce que vous avez reçu comme feedback, pour parler en bon français, comme information retour. Oui, oui, c'est vrai que les gens ont beaucoup apprécié cet exercice parce que finalement, on a l'impression que les gens n'ont jamais pensé à ça. C'est comme si c'était une révélation. Parce qu'ici, on était encore dans le jeu de... On dit, mais cette fois-ci, ce sera qui? On demande, cette fois-ci, ce sera qui? On dit, non, c'est toi-même qui dois identifier parmi les candidats l'homme ou la femme qui correspond à ce que toi tu attends d'un bon député, par exemple. Donc, il ne s'agit pas d'aller me demander ou d'aller poser la question à quelqu'un, savoir quel est le bon candidat pour cette fois-ci. Parce que le vote est individuel. Alors, le fait d'avoir rappelé cela ici a manifestement suscité un grand intérêt. Tout à fait. Oui. Alors, monsieur l'abbé, oui. Aujourd'hui, vous nous proposez quoi? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose deux choses importantes, à mon avis. D'abord, les 10 commandements de l'électeur et le profil du bon candidat selon, je dirais, les critères humanistes, des valeurs humaines. C'est important parce que nous avons l'impression que le vote ici se fait plutôt par sentiment. Le vote se fait selon des critères tribalo-ethniques, d'affinité familiale ou tout simplement amicale. Eh bien, il est temps qu'on quitte cette façon de voter et qu'on puisse se référer à un profil élaboré de manière impersonnelle, n'est-ce pas? Profil qui va nous permettre d'évaluer chaque candidat et de découvrir si le candidat est indiqué ou pas. D'accord. Alors, monsieur l'abbé, je vous repasse la parole. Je voudrais que monsieur Bonigaba réagisse à une des questions. Il faudrait pas non plus qu'on demande à nos téléspectateurs de réagir lors d'un meeting, de réagir défavorablement, parce qu'on risque aussi de se faire lapider. Hein. N'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que le... C'est secret. C'est pour vous. Vous devez garder ça pour vous-même. Oui. Vous devez garder ça pour vous-même. Mais on se rend compte que chez nous, le jeu est quelque peu faussé déjà. Dès le départ. Parce que je crois que cette multiplication des partis a créé
un état d'esprit qui n'est pas le bon. Parce que vous imaginez, hier ou avant-hier, quelqu'un me disait que dans un seul territoire qu'il a identifié, dans le sud Kivu, il y a 8 partis politiques. Donc les fondateurs de ce territoire, il y en a 8 fondateurs. Or justement, comme vient de dire M. Labbé, à partir du moment où le vote est encore basé sur les affinités tribales, alors les gens sont quelque peu désemparés parce qu'ils vont se dire, mais comment on fait? Et on risque à ce moment-là de tomber dans le jeu. Où je vous ai dit qu'un homme polygame, il a dispatché les voix. Oui. Par rapport à tous les amis qui étaient candidats, lui-même donne sa voix à son préféré. Et à ces deux femmes ou trois femmes, il assigne à chacune tel candidat. Donc on est encore très loin par rapport à ce qu'on est en train d'entendre ici. C'est pour cela que je crois il faut que nos téléspectateurs, ceux qui ont, je dirais pour une fois, la chance de nous suivre, puissent comprendre l'importance de leur voix. C'est pas on s'amuse pas. La nation dépend. Voilà. Monsieur l'abbé, vous allez nous lire les lois. Les dix commandements. De l'électeur. C'est un peu comme un décalogue. Voilà. C'est comme la table du décalogue que Dieu avait remis à Moïse. Mais ici, ça concerne les élections. Allons-y. Premier commandement. Vous n'avez rien à craindre. Rappelez-vous que votre vote est secret. Il n'y a que vous-même et Dieu qui savez comment vous votez. Premier commandement, première loi, n'est-ce pas? Deuxième commandement, attention aux loups en peau de brebis. Ne votez pas pour un parti sans savoir sa politique et ses objectifs. Très souvent, les gens, ils votent sans connaître même le parti en question, sans avoir lu ou découvert les objectifs de ce parti. On vote parce que le parti, c'est le parti de mon copain, c'est le parti de mon oncle ou de mon grand-père. Trois, les gens qui promettent des choses qu'ils ne peuvent jamais donner sont comme des nuages et le vent qui n'apporte pas de pluie. Ne soyez pas détournés par eux. 4. Votre vote est votre pouvoir. Utilisez-le pour changer positivement votre vie et votre pays. 5. Ne votez pas pour un parti qui offre de l'argent et des aliments en échange de votre vote. Ici, il est temps de dire aux gens ce conseil qu'on a entendu certains politiciens donner. Il prend seulement ce qu'il donne et puis mange ce qu'il il t'offre et puis ne vote pas pour lui. C'est malsain. C'est malsain. Donc, on ne prend même pas. On ne prend pas. Parce que quand tu prends, tu contractes une dette. Et tu prends quelque chose en promettant à l'autre que tu vas voter pour lui, et puis tu ne votes pas pour lui. C'est malhonnête. Oui, mais c'est malhonnête. Bon, alors c'est un principe. Alors, sixième, ne vous. Alors, il termine le commandement, le cinquième, en disant quiconque essaye cela est corrompu. Voilà. Sixième, ne vous inquiétez pas pour votre avenir, votez et mettez votre foi en action. Septième, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Votez pour que la justice coule comme un fleuve et la paix comme une puissante inondation. C'est beau. Huit, nous avons été faits pour la liberté, pas pour être des esclaves. Nous avons été créés, nous sommes libres. Utilisons notre vote pour nous assurer que nous ne devenons pas de nouveaux esclaves de qui que ce soit. Neuf, nous sommes une nation faite de plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, on en dénombre 1000 à peu près. À peu près 1000, mais ce n'est pas encore arrivé à 1000. Eh bien, nous sommes une nation faite de plusieurs partis politiques, comme nos corps sont faits de différents membres. Respectez et défendez le droit des autres de voter pour le parti de leur choix, sans peur ni intimidation. Très bien. Alors, le dernier commandement. Votre responsabilité ne s'arrête pas le jour de l'élection. N'attendez pas des faveurs personnelles de la part des élus, mais surveillez leurs actions
et exiger qu'ils accomplissent les promesses faites. Absolument. Qu'on commente quand même ce dernier, ça vaut la peine, hein. Oui. Donc, absolument. Il ne faut pas vous dire, j'ai voté, ça s'arrête là, mais il faut suivre. Suivre. L'électeur a deux obligations. La première obligation, c'est de voter, bien sûr. Mais la deuxième obligation, et non la moindre, c'est de contrôler. Voilà. De contrôler. Les agissements, les actes. Ce que tu as voté, celui que tu as voté, ce que tu as voté, contrôler et veiller à ce qu'ils réalisent ce qu'ils ont promis. Et quand ils ne réalisent pas ce qu'ils ont promis, nous avons le devoir de les sanctionner. Commentaire de Bonny Gaba. Oui, alors vous imaginez ce pouvoir de contrôle, s'il était effectif. Mais on n'aurait pas les élus qu'on a aujourd'hui. Parce que vous pensez bien que si un élu provincial ou même national pouvait recevoir des messages SMS de ses électeurs, vous voyez, qui lui disent, mais vous là, vous êtes à l'Assemblée nationale par exemple, l'émission, ça serait transmise en direct. Mais vous, là, vous ne prenez jamais la parole. Vous êtes notre représentant là-bas, mais vous ne prenez jamais la parole. Vous pensez bien que les gens qui se font élire aujourd'hui, et qui, une fois élus, ils vont tranquille s'asseoir, ils ne vont plus avoir la paix. Ils ne vont plus avoir la paix. Donc la fonction de contrôle chez nous est en fait inexistante. Or, on a voté et puis... Or, la vraie démocratie commence à ce moment-là. Parce que c'est là où la participation du citoyen se fait sentir. Sa participation, c'est de montrer à son élu qu'il le suit dans ses faits et gestes. On a assisté ici à ce qu'on a appelé la transhumance. Vous pensez bien que... On demande, mais comment? Nous, on t'a fait voter comme ça. Là, vous pensez bien que s'ils avaient ce contrôle-là, Il n'y aurait pas eu de transhumance. Mais aujourd'hui, c'est comme des électrons libres. Une fois qu'ils ont été élus, maintenant c'est leur business à eux. Donc c'est comment ici et tout ça, et des coalitions tout à fait contre nature, mais parce que lui, il a déjà sa part là-dedans. Les électeurs, ils n'ont plus rien à foutre. Il y en a même qui ne vont pas dans les vacances, Spike. Oui, parlementaires. Par peur de justement d'affronter. Parce qu'ils s'en foutent. D'ailleurs, ils s'en foutent éperdument. Donc, manifestement, nous sommes ici en train de parler de la démocratie, la vraie démocratie, etc. Mais il y a les fondamentaux qui n'y sont pas. Nous ne pouvons pas espérer construire une vraie démocratie avec déjà cette faille-là. Si l'élu qui se lance. C'est à l'avance que, une fois qu'il sera là, il n'y aura plus de compte à rendre. Et celui qui l'a élu, lui-même n'a pas conscience de la responsabilité qu'il a de donner sa voix sans rien comprendre. Parce qu'on sait qu'en démocratie, la majorité, c'est la moitié des voix plus un. Donc, c'est plus un, là c'est vous. Le voilà. Un, là c'est vous. Absolument. Alors, si vous n'êtes pas conscient de cette lourde responsabilité, c'est là que vous bradez votre voix contre une bière. Alors, reprenons le premier article. Oui. N'ayez pas peur. Vous êtes seul à savoir. Mais chez nous, ce n'est pas tellement vrai, puisqu'il y en a qui demandent à ce que dans l'isoloir vous puissiez capturer le bulletin, montrer après. Oui, mais est-ce que cette pratique se fait ailleurs? Je ne crois pas que cette pratique puisse se faire ailleurs, parce que ça devrait être condamnable. Absolument. C'est une infraction. Parce que quand à partir du moment où on dit. D'ailleurs, c'est constitutionnel, le vote est secret. C'est dans la Constitution. Et vous venez, en fait,
briser ce secret-là, ou dire non, mais non... on ne devrait pas obéir... On ne devrait pas obéir à ça. Oui. Donc c'est vraiment... C'est lui qui demande ça. Il faut d'ailleurs même, je crois, la signer en justice, oui, parce que c'est une façon... C'est une infraction, tout simplement. Infraction. Comment en termes de... Une façon d'intimider. Oui. Oui. Une façon d'intimider. Mmh. Hein, et, en fait, de faire peur. De faire peur. Mmh. Hein. Or, le premier commandement, là, dit « Vous n'avez pas à craindre. » Et ça signifie « Vous devez être pleinement libre et responsable. » Il n'y a personne qui peut vous obliger à voter pour un tel ou un tel. Et si tu as décidé de voter pour un tel, il n'est pas nécessairement obligé de savoir que tu as décidé de voter pour lui. Parce que c'est un secret. Hein? Oui. Mais si tu as accepté un don en nature ou en espèce, n'est-ce pas, pour un tel, ça veut dire que tu as créé un contrat avec cette personne. Tu as créé... Oui, mais monsieur l'abbé, d'accord avec vous, mais s'ils sont nombreux qui sont passés et que vous avez pris ce qu'ils ont offert, bah, ça veut dire que ça vaut rien, ça s'annule. Hein? Ben, là, ça devient un comportement tout à fait immoral. Hein? Ça devient un comportement immoral. C'est-à-dire des gens qui mangent à tous les râteliers. Voilà. Hein? Donc, tu as pris ici, tu as pris là-bas, tu as promis ici. Or, tu n'as qu'un seul vote. Tu n'as qu'une seule voix, n'est-ce pas? Alors, si tu as pris ici, tu as pris là, finalement, tu as trompé ces gens-là. Hein? Donc, nécessairement, il y en a qui seront, disons... Je vous raconte une anecdote. C'était aux élections de 2006. Je me présente dans une commune de la place. Je tiens un meeting. Et après, bon, on donne un petit rien. Et quand je sors, le papa me dit... Oui, Azaki na katiza mama ngai pesanga yanga ya libanda. Donc, en fait, les gens se présentent pas pour écouter, parce que vous et moi nous avons appris que quand vous prêchez et qu'à un certain moment, ou quand vous êtes orateur, à un certain moment vous avez peur, il faut vous accrocher à certaines personnes. Alors, vous regardez à droite, vous dites, celui-là m'écoute bien. Alors, quand vous regardez à gauche, vous dites, celui-là, il est... Et puis, quand vous retournez à gauche, vous vous rendez compte que la personne qui vous soutenait est en train de dormir. Alors là, ça fait... Bon, monsieur l'abbé, vous aviez encore la parole. Donc, pour vous, il ne faut pas accepter des dons. Il ne faut pas accepter des dons. Il faut refuser de prendre des dons en disant... Même si je dois voter pour toi, ça ne sera pas parce que tu m'as donné un don. Mais quand vous parlez, je ne prends pas, hein, tu peux rentrer avec. Le jour où les Congolais commenceront à réagir de cette manière-là, ah, oui, oui. Et je crois que ce serait une grande révolution. Tout à fait. Et en plus, ça va nous amener à des élections qui ne vont pas se jouer autour de l'argent. Ça, c'est le grand problème. Des élections qui sont devenues une sorte de business. Business pour ceux qui les organisent, qui bouffent là-dedans, et business pour ceux qui vont voter, parce qu'ils bouffent avec le processus électoral. Il prend chez un tel, il prend chez un tel autre, il prend chez tout le monde, n'est-ce pas? Et bon, il se fait un petit pactole, hein, ou il se fait une petite cagnotte, n'est-ce pas? Et après, quand il ira voter, il ne votera pas pour tout ce monde-là. Il votera pour un candidat, mais peut-être même pas celui qui est parmi ceux qui lui ont donné. Hein. Alors, voilà. Bonikaba, quelqu'un m'appelle et me dit, mais moi j'étais de l'ancienne législature, mais pourquoi vous nous jetez tous en pâture? C'est pas... je vous ai suivi... Et à un certain moment, l'un de vos invités a dit pas ceux qui... On n'a jamais dit ça. Il y a eu des bons quand même, non? C'est pas tout le paquet qu'il faut rejeter. Bon, en fait, nous devons nous rendre compte que nous nous sommes éloignés de ce qui est fondamental en démocratie.
Parce que comme vient de le dire M. l'abbé, si les gens, les citoyens, adhéraient à une vision, à un corpus d'idées, mais à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de que tu sois un type bien ou pas. Ils adhèrent à ce que tu dis. Donc, ils n'ont même pas besoin de que tu saches que lui, il a adhéré à ça. Parce que quand, c'est quand tu commences à dire, non, mais moi, je suis... donc, ça, c'est comme si tu réclamais une sorte de rétribution parce que tu adhères à mes idées. Non! Je suis écologiste, je suis leader écologiste. Toi aussi, tu es pour la défense de l'environnement. C'est tout. Donc, vous votez pour que cette cause triomphe. C'est pas pour que moi, l'individu, je puisse être là où les choses... C'est parce que cette cause doit triompher. Donc, si on adhère à des idées, vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a plus matière à monnayage, est-ce que, combien je me donne pour ça. C'est quand il n'y a rien, il y a un vide idéologique que... Comment ça dit, bon, maintenant, moi, ma voix, je vais te donner ça, pourquoi? Parce que, en fait, toi-même, tu sais qu'au bout du chemin, il n'y a rien. Alors, à ce moment-là, tu dis, ben, tu me donnes quelque chose. Mais si c'est parce que tu adhères à une vision du monde de demain, où il faut plus d'égalité, plus de justice, et toutes ces choses que toi-même, tu portes en toi, ben, tu n'auras jamais besoin de dire, voilà, moi, j'étais soutenu. Oui, mais le problème, c'est que avant de choisir, il faut écouter tout le monde, non? Oui. C'est ça. Hein? C'est ça aussi, effectivement, la difficulté. Avec 900 partis, c'est supposé que théoriquement, il devrait entendre 900 idéologies. Oui. Or, il n'y en a pas. Tout ça montre que nous nous sommes tellement éloignés de ce qui est fondamental que moi, j'adhère quand M. l'avait dit qu'il faut une pause. C'est vraiment pas quelque chose d'anodin. C'est parce que nous nous sommes tellement éloignés de ce qui devait être fait que aujourd'hui, parce qu'il y a élection, c'est comme il n'y en a pas. Tout le monde dit, bon, ben, élection, moi, je... On oublie que l'essentiel, c'est pour faire quoi? Ça, on laisse de côté, on se dit, non, on verra ça après. Moi, je voudrais déjà quand même être dedans. Bon. Entre-temps, les jours passent, entre-temps, le pays, lui, ne fait que descendre. Et jusqu'au jour où peut-être on va se retrouver, on n'a plus de pays. Voilà. Parce que c'est ça le risque. Tout à fait. Commentaire de M. l'abbé sur tous les articles que vous avez. Épinglez-nous un autre sur lequel on va commenter à nos 13. Eh bien, c'est par rapport au profil. Oui, par rapport au profil des candidats. Et revenons sur les dernières paroles de Mami Modeste, je dirais qu'il y a une élection préalable dont on ne parle pas suffisamment. Il y a une élection préalable dont on ne parle pas suffisamment et dont on ne parle peut-être jamais. C'est l'élection du pays dans lequel on veut vivre. C'est-à-dire se poser la question de savoir quand nous allons élire des personnes, nous les élisons pour un pays, pour une société, pour un monde, n'est-ce pas? Quel est ce monde-là dont nous voulons qu'ils soient les conducteurs des travaux de construction? Vous voyez? Alors, si nous n'avons pas choisi ce pays, si nous ne nous sommes pas posé la question de savoir quel est le pays dans lequel nous voulons vivre, quel est le Congo dans lequel nous voulons vivre... Mais ça, M. l'abbé, nous l'avons déjà projeté ici. Oui, hein? Évidemment, ici dans nos émissions, on en a parlé. On en a parlé, le Congo de nos rêves. De nos rêves. Voilà. Mais maintenant, une fois que c'est entré dans l'esprit de tous les Congolais, maintenant, ils sauront que pour que nous puissions bâtir ce pays-là, ce Congo-là, eh bien, le profil des hommes à choisir, à désigner pour conduire les travaux, parce qu'ils ne seront que des conducteurs de travaux, n'est-ce pas? Eh bien, le profil devrait correspondre à un certain nombre de critères. Il y a le savoir. Le savoir. Des gens qui connaissent. Le savoir.
le candidat idéal, il doit faire preuve d'une connaissance générale et suffisante. Très bien. Sur les réalités géographiques, historiques, humaines, culturelles du pays. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le pays, qui ne connaissent pas l'histoire du pays. Et nous allons les choisir pour qu'ils nous conduisent où? Moi, je connais le pays, monsieur. Et le candidat idéal doit avoir des bonnes connaissances sur les droits humains. Et ça, c'est important. Avoir des connaissances suffisantes relatives à la défense et à la protection des intérêts publics. Avoir une bonne connaissance des institutions et des lois du pays, des dispositions légales. Monsieur l'abbé, nous sommes au lobby Wana, l'obé là, on a la lingala, parce que ça, na mutuya. Donc, moto te sengeli kopona, a sengeli kopona. Ou bateau. Bateau te sengeli kopona. Moto te sengeli kopona pour une élection présidentielle. Bateau te sengeli kopona pour une élection législative, députation nationale, provinciale, tonini. Eh bien, bateau te sengeli kopona, ba sengeli kozala bateau a mayele. Bateau ba yekola. Moto ya tanga. Pe atanga nini? Atanga makambetali mboka. Ayebi, ndenge nini mboka na biso e banda, ndenge nini etambola et tout ça. Ayebi pe ndenge nini mboka na biso ezali géographie ne balobaka. Ayebi mboka, ayebi mibeko ya mboka. Ezala te tout ça sur moko boya otia wa boye. Ayebi atanga yango. Kotanga ezeka te kotanga na kelasi, kotanga ezali kotanga na kelasi ya ba diplome ya solo, kasi kotanga ezali pe ya mokolo na mokolo, kotanga ezali lokola mikolo tokomi na ba réseaux sociaux, ba internet et tout ça, mais bato mingi bayebaka te ke tokoki koyekola na internet wana, okoki kotanga makambo na internet wana, ekoma ya kosakana, ekoma ya kopesa ba fake news ndenge ekomi siko na habitude ya bato awo. Eh bien, koyeba, kozalana, boyebi, koyeba, makambo, oyo, etambwisaka mboka, koyeba, bato, koyeba, bato, philosophie, koyeba, sociologie, koyeba, anthropologie, koyeba, moto. Pour tambwisa bato, il faut yeba, il faut zana mayele. Mayele, kaka ya mukandate, kasi mayele, pe ya boanya. Parce que dans ma village, dans le biso, bato, mususu. Ayebi makambo ya makambo peza ya bwanya tout oui, ça oui. Bango pe il faut batale la bango ba oui, voix oui. Parce que za bato bakoki ko contribuer peza oui, na développement mboka oui exactement et comme nous le disions tout à l'heure le savoir mais il y a aussi le savoir-faire pas seulement le savoir. On a vu des gens qui ont des diplômes, qui ont des diplômes de tout, de toutes les écoles, de toutes les universités du monde, mais dans le faire, dans la compétence, l'agir, on ne voit pas le savoir-faire. Le savoir-faire, être capable de dialoguer, par exemple. Ça fait partie du savoir-faire. Des gens qui ne savent pas dialoguer, qui monologuent tout le temps, n'est-ce pas? Être capable de prendre de bonnes décisions. Dans le dialogue, wana, par exemple, dans un meeting, on s'allait poser moi question, moni asiliki. Être capable de prendre de bonnes décisions. Être capable d'exercer l'autorité et le pouvoir avec sagesse, bonté, fermeté, justice et efficacité. Donc, ils ont ma qualité à bon moto. La qualité à bon moto. Être capable de concevoir un projet de développement national et pragmatique. Mais vous avez un projet à développement. Il y a beaucoup de monde. Monsieur l'abbé, pour que je m'occupe, je suis tout à l'heure. Modeste, modeste, la kanisi na mboka na biso balwa mingi ezaka kitoko, mais problème ezaka na biso ezali nde évaluation, c'est-à-dire contrôle. Est-ce que makambo yo baloba kitoko sala, est-ce que basala ki nini na la promesse ou basala ki évaluation makanga mingi, non? Oui, c'est en fait évaluation, c'est vrai que Ezanga Kamingi. Mais il y a aussi intériorisation. Yamibeko. Parce que
loi Mobeko Ezali entendement abisonyo stoyo kitolobi na eloko yo esengi to sala boy na boy na boy muto ya ko le kapembeni ou bien ko meka ko contourner Mobeko yo tala punition esa prévu wana. Ce qui va tenir sur base la compréhension moko, il y a Mibeko, il y a Mboka. Et que moindre manquement, punition paysawana, au commande que Makambo et commande vous changer. Parce que vous avez impunité. Impunité de bon Mboka. Parce que ce qui m'a dit que Ata Salimabe, et l'eau à cause de l'eau. Pourquoi ça la soussounini est fort yako tikala na nzela? Parce que à Monique ba msusu bazo buka Mobeko à côté prison pendant deux jours après abimi a continué makamona ya mabé. Pourquoi yako ça la effort atikala na nzela ya malam ya malam monsieur l'abbé? Et loko msusu na makambo lobby et pas la biso bat msusu bakanisaka que ceux qui ont au bandit qu'on insulte Batou, aux uns des gaillards, va voter yo. Ce qui m'ont boignaté, à ça n'a pas injure facile. Vraiment, tu convoites yo, à ça qu'on n'abîme pas. Il y a un autre à côté à savoir faire. Oui, bah, qu'au sala, savoir être. Oui, bah, qu'au zala, sagesse. Oui, bah, qu'au zala. Au zala, moto, oyo, à ça n'a. Et l'obélia malamo, et l'obélia bosolo, kasi, et l'obélia limemia, na bato basoso. Ou to koumi koumouna, ouza mokonzi, ouzo finga, ouza na responsabilité, ouzo finga baninga na télévision, ou leki, ouzo finga, ouzo bimsama finga na bato mousoso et tout ça. Moto andengo, ouya mese ni ko finga, kopona ete. Kopona ete. Donc, moto oyo tokopona azala moto oyo aibi ko memia baninga oyo azana li memia pona baninga le respect le respect ana respect ana li memia pona moto nyonso po toko memia moto te po azali président po azali na grade boye to azali na musala boye te toko memia moto po azali moto po azali elili ya nzambe. C'est aussi comme un dingue. Pas à l'immoto. Nakomemia, Nekonanga modeste, et Zalite Poisa président, toi Zali chef boye, toi Zali Mokonzi boye, te Nakomemia et Poisa l'immoto. Qui présidait Silaga, mais qui moto tikalaga. Très bien. Et puis, et l'eau comme Moussou, Nambo Canabiso, Oyo, il faut vraiment. Mais Batouba, comment ba flatteur? Donc, Nakoloba et l'eau comme Moko boye. Pour tel aïe, pour mon conzi, à mon akernaza bien à côté que l'angaï na place ouana. Si quoi, babandi, ou bien gana, commissaire des zones, c'est quoi encore? Bourgmestre. Bourgmestre, excellence. Non, mais excellence, mais. Oyo makambo, flatterie ouana, yébisana no bande kona biso, toti kayango, président. Mon preso. Au commis n'a une candidate. Au pessi n'a une candidature n'a yote. Kaka pour l'oba qui n'a baninga. Te n'a lingi n'a pe sa candidature. Babani obengo preso. Babani obengo honorable. Honorable. Mais baponi on a noté pour la honorable. Et puis on dit mais tu n'as pas comme honorable. Mais honorable, on baponi qui est mon colo, ni. On a nos candidats, prétendus candidats. Donc on a posé à cause la candidat. Tant au lobby posé à Oana, eh bien, on dit mais c'est pas comme honorable. Et ça, ma camouille, et ça, comme ma mouka n'a vu ça, n'a pas zinda. Pas maté. Koluka, ba grade wana, ba titre wana. Et même abisso n'est pas mon côté. Yango omona, makamwe sale makana nzela mibale. A komi na ino, député te, ba komo benga e honorable. Tango, a longwe député, a komi ex-honorable.
ex-général, ex-président. Mais aujourd'hui, c'est probablement ex-premier ministre, ex-honoraire. Non. Et puis, il faut tout charger, Bakamou Nyoswa. Il faut tout bon moula Nyoswa. Mais monsieur l'abbé, il répondait à une question en athée parce que, Batouninga et Balobi, mais, peut-être, Moutoumoka Lobaki, ah, Bissot Nyoswa, tout ça qui n'a ni la législature, Balongola Bissot. Mais ce n'est pas tout le monde qui a péché. Il y a eu quand même des valeurs, non? Je crois que ce qui est important dans cette façon de présenter les choses, c'est de dire il ne faut pas s'accrocher au pouvoir. Et de deux, nous devons éviter de créer une nouvelle aristocratie héréditaire. Ouais, revenir à l'ancien temps, au temps gréco-romain, n'est-ce pas, à l'époque de la Grèce antique, ils ont réagi à l'aristocratie héréditaire qui existait en ce temps-là. Et c'est comme ça qu'ils ont proposé la démocratie, n'est-ce pas? Et lorsque, au XVIIIe siècle, nous l'avons déjà dit ici dans une des émissions, lorsqu'au XVIIIe siècle, on a inventé le système électif, n'est-ce pas, on a remis l'aristocratie, on a créé une nouvelle aristocratie, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Des gens qui s'accrochent, eh bien, aujourd'hui, il est député, sa femme est, première suppléante, et son fils est deuxième suppléant, et ainsi, il y a une aristocratie qui se constitue et qui fait que le pouvoir tourne entre les mains de quelques-uns qui s'y sont installés et qui y sont et qui veulent y rester, et même avec force, avec tricherie, avec tout ce que vous voulez, ils veulent y rester. Je crois qu'il n'est pas ici question de dire tout le monde est mauvais et tout le monde doit partir. Non, il s'agit de dire ne vous accrochez pas au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez rendu service pendant une législature, mais laissez la place à d'autres pour qu'ils continuent et qu'ils apportent du sang neuf. D'accord. Bonigaba, est-ce que vous avez lu la nouvelle loi électorale? Est-ce que c'est encore possible, vous êtes candidat et puis votre épouse est premier suppléant de... Non, c'est... Non, apparemment, il y a encore beaucoup de cas où... J'ai vu ça, mais est-ce que la loi ne l'interdit pas? Non, hein? Je me dis que si ils ont osé le faire, c'est qu'ils savent que ce n'est pas interdit. Mais je voulais surtout réagir à ce que vous avez dit, la flatterie. La flatterie, c'est effectivement un mal qu'il faut éradiquer. Parce que l'homme risque d'y croire. Hein? Parce que, d'ailleurs, il y a un cas très connu au Bénin. L'actuel président du Bénin, lui, dans son programme électoral, avec le souci d'inscrire ça dans la Constitution, dire qu'il faut interdire le culte de la personnalité. Parce qu'il a certainement remarqué que, ce que nous sommes en train de dire ici, les gens croient que parce qu'en te disant, en te flattant comme ça, ben, il y a un biais qui sort. Et à force de pousser les bouchons trop loin, tu finis par croire que tu es un petit dieu. Mais oui, hein. Oui, parce que l'homme est faible, l'homme reste un être faible. C'est l'environnement qui le rend si mauvais. Oui. Donc si on arrive effectivement à couler dans le marbre, que lorsque vous êtes un élu, il est interdit de faire des manifestations publiques pour faire des marches de soutien, de chanter tes louanges, tu es unique, tu es ceci. Je crois que c'est très important. Parce qu'à ce moment-là, même les dirigeants qui viendront n'attendront plus de leurs collaborateurs qu'ils les flattent. Aujourd'hui, lorsque tu ne flattes pas ton chef, ben, les autres vont dire, mais voyez, lui, il n'a pas insisté pour, quand vous avez dit ça, il n'a pas montré que c'était génial et tout ça.
Donc, pour qu'il ne reste autour du chef que des flatteurs patentés. Ils sont capables de rivaliser d'imagination pour trouver chaque fois qu'est-ce qui va plaire au chef. Eh bien, dans un pays, dans un système où il y a cela, il n'y a pas de, progrès possible. Il n'y a pas de progrès possible. Parce que le chef a besoin de collaborateurs qui lui disent la vérité. Et qui n'ont pas peur de le choquer parce que c'est ça qu'il a, c'est de cela qu'il a besoin. Oui, c'est-à-dire, j'explique, je travaillais autour de quelqu'un. C'est-à-dire, on ne dit pas, on ne fait pas de remarques à un grand chef comme ça dans le public. Il y a des moments où vous allez, vous dites au chef, vous savez, chef, ce que nous avons fait n'est pas correct. Peut-être moi j'aurais proposé. Ne dites pas faisons. Non, j'aurais proposé que ce soit fait de telle manière, de telle manière. Ne le dites pas en public parce qu'effectivement, le lendemain, vous sautez. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Pour la suite. Ben, la suite, nous disons, il y a le savoir être, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que le savoir-faire, mais il y a le savoir-être. Et dans le savoir-être, eh bien, il faut exiger d'un candidat aux élections des qualités morales. Des qualités morales. C'est ce que nous appelons le savoir-être. Des qualités morales éthiques, n'est-ce pas ? Un langage franc et respectueux. Non, mais restons à l'éthique, là. Parce que c'est, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, bon... vous avez 20 voitures, on ne sait même pas comment vous les avez. Ah, prézo. On vous voit, oui, femme. Non, ça, il faut quelqu'un comme ça. Absolument. Je crois qu'il ne peut pas faire marcher tout un pays. Ben oui. À moins que Boni Gaba puisse. Non, c'est surtout en ce qui concerne l'éthique. Je voudrais attirer l'attention sur un fait. Et ça, c'est quand même assez curieux, c'est que les législateurs, les députés, dans tous les pays africains, pas seulement ici, à partir du fait du moment qu'ils ont la loi et fait des députés le pouvoir de légiférer, de voter les budgets. Même déjà pendant la transition, lorsqu'on a commencé la démocratisation, la première chose que faisaient les députés, c'était de s'octroyer des émoluments, toujours un peu au-delà de tout ça. Donc, au-delà du raisonnable. Oui, parce que sur le plan juridique, effectivement, c'est l'autorité budgétaire. Mais de là à s'octroyer soi-même, parce que la loi ne vous l'interdit pas, vous octroyez les meilleurs... salaire, etc., ça c'est contre l'éthique. Tout à fait. Et puis, à ce moment-là, quand on discute de l'affaire, plus de caméra. Voilà. C'est à guichet fermé. À huis clos. C'est pas possible. C'est ça. Donc, manifestement, il faut trouver d'autres moyens pour bloquer cela. Ouais. Et aux États-Unis, ils ont trouvé, dès le départ. Ouais. Dès le départ, ils ont dit, voilà, oui, effectivement, c'est les congrès qui votent les budgets, etc. Mais, lorsque vous votez éventuellement une augmentation, ce n'est pas pour vous, c'est pour la législature prochaine. Or, quand il n'y a plus cette motivation d'avoir ça directement, bah, il n'y a plus personne qui est pressé d'aborder cette question. Et ça fait ce sont des choses qui peuvent faire rire, mais qui sont des choses que nous vivons. N'est-ce pas ? Absolument. On avance. En dehors du savoir-être, nous devons veiller au savoir-faire-faire. C'est-à-dire que l'électeur devra juger le candidat sur sa capacité de communiquer de bonnes aptitudes aux autres et sa capacité de faire faire, n'est-ce pas, et pas seulement de faire lui-même, de tout faire lui-même, mais de savoir faire faire. Et donc ça signifie de travailler en équipe. C'est ça que ça signifie, le leadership collectif, le leadership d'équipe. Or, malheureusement, nous souffrons d'une carence dans ce domaine. Mais vous savez pourquoi, monsieur l'abbé? Écoutez, moi je crois, d'abord, on n'a pas beaucoup insisté sur l'importance des partis politiques.
Les partis politiques sont là pour éduquer leurs militants. Apparemment, cette notion-là, on ne l'a pas maîtrisée, à moins que vous puissiez me dire le contraire, monsieur l'abbé. Le problème est réel. Les partis politiques ici, combien de temps consacrent-ils à la formation, à l'éducation de leur cadre et de leurs membres, de leurs adeptes, hein? Combien de temps? On ne voit pas beaucoup de partis politiques qui se livrent à cet exercice-là, hein? Former les gens. Oui. Hein? Former les gens dans la connaissance des droits humains, dans la connaissance de la loi, dans la connaissance du mode de fonctionnement et de gestion de la société. Étude des dossiers. Des dossiers et tout, on ne forme pas les gens. Ce qui est plus grave, c'est que la notion même de formation dans notre pays, elle est au bas niveau. Ailleurs, tu ne peux pas faire un travail sans commencer par une formation. Ah oui. De 2 mois, de 3 mois, de 6 mois. Université d'été, etc. Et les gens, quel que soit le temps, même celui qui balaye la rue, avant de commencer son travail de balayeur de rue, il reçoit une formation, on doit lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, comment il doit le faire, et tout, il apprend cela, n'est-ce pas? Et c'est seulement après ce temps de formation qu'on peut le tester et après le temps du test qu'on peut lui confier maintenant le travail à réaliser. Chez nous ici, Chancelo Kopamba, eh bien, tu viens de n'importe où et puis on te confie une charge à laquelle tu n'as jamais été formé et ce sont les autres qui vont souffrir. Ouais, ouais. Et puis on met quelqu'un, c'est maintenant votre chef dit bon là c'est Moussala, aïe bah Moussala, modeste, il faut pas rire. Oui, oui, parce que en fait, encore une fois, ceci nous montre que nous nous sommes vraiment éloignés, ce qui est essentiel. Par exemple, en ce qui concerne le multipartisme, il faut quand même rappeler un peu l'histoire. Lorsque le maréchal Mobutu prononce son discours du 24 avril, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais il dit, bon, n'oublions pas que lui, quand il a fait le coup d'État en 65, c'était parce qu'il y avait trop de partis politiques, 44 à l'époque. S'il était encore en vie, il allait se dire, mais... Vous voyez, multiplié par combien, 20 fois ou 30 fois. Donc, lui, il a estimé que 44, c'était déjà excessif. Et c'est ce qui a justifié sa prise du pouvoir parce que c'était le grand désordre. Bien. Alors maintenant, quand il fait son discours du 24 avril, il dit, bon, j'ai beaucoup hésité, mais on va encore essayer. Mais commençons quand même avec trois. Il dit, si on commence avec trois, il montre déjà les trois là qui sont-ils. Oui. Et c'est là où je crois que c'était un piège. Parce que s'il avait été plus honnête, il allait dire, voilà, d'abord, on va voir les idéologies. Quelles sont les idéologies dominantes déjà? Oui. Et voilà, si on prend les idéologies dominantes, on prend les trois grandes idéologies dominantes, par exemple, bon, on commence d'abord avec ces trois-là. Si d'autres forces, parce qu'avec le temps, il y a d'autres idées qui viennent et tout ça, ça justifie qu'on puisse aller plus loin, ça reste ouvert. Une telle prise de position aurait été plus constructive. Mais lorsque lui dit, il y a déjà un père qui est là, et puis on lui a parlé de l'UDPS aussi, bon, il y a encore d'autres aussi qui commandent. Le parti de Maître Kamanda. Le Kamanda, on commence avec. C'était déjà malsain au départ. Parce que naturellement, la réaction de l'opposant radical, ce sera de dire, pas question, intégral. C'est intégral. Alors là, c'était le gros piège dans lequel nous sommes tombés. Parce que lui, il va appeler Chimbombo. Il est mort, de reste mémoire. Oui. Oui. Pour lui dire, bon, le budget est là, on a dit que c'est intégral, alors vas-y. Et en peu de temps, il va créer 400 pour la conférence nationale. Alimentaire. Oui. Donc, c'est là où nous sommes tombés. Parce que si on avait, dès le départ, montré que c'était un corpus d'idées, de valeurs qui distingue certains des autres et qu'on puisse identifier quelques grands courants.
philosophiques et autres, on n'allait pas arriver à 900. Mais à partir du moment où on a ouvert ça, ah oui, ben voilà, aujourd'hui, 900, on en a créé 900 en une journée, 30 dernièrement, en une journée. Et donc, manifestement, c'est vraiment, on s'est fourvoyé dans ce domaine-là. Alors, monsieur l'abbé, on va peut-être commencer la descente vers la fin de cette émission. Le réalisateur va me dire combien de temps il nous reste. Vous avez encore du pain sur la planche. On a du pain sur la planche. En écoutant ce que mon frère vient de dire, je retiens une chose. On donne de l'argent à quelqu'un pour qu'il fabrique des partis politiques. Mais on ne fabrique pas des partis politiques sur la base des idées, des idéaux, n'est-ce pas ? Mais sur la base d'argent. On adhère à un parti politique, non pas parce qu'on adhère à une idéologie, à des idéaux, mais on adhère parce qu'on vous a donné de l'argent. Et c'est là où je dis, le choix fondamental qui déterminera l'avenir de notre pays, l'avenir du monde, c'est le choix entre avoir ou être. Et c'est en ce moment où je dis, si la première élection qui devrait se faire à un niveau d'abord individuel, collectif, l'élection du système dans lequel nous voulons vivre, à mon avis, le meilleur choix qui portera bonheur à notre pays, au monde, c'est le choix de l'être. D'accord. Et ce choix de l'être nous ramène à l'humanité. À un choix, je dirais, de notre culture négro-africaine, n'est-ce pas ? Parce que je l'ai souvent dit, quand j'observe, quand j'étudie la culture négro-africaine, je me rends compte que dans les langues, dans la plupart des langues négro-africaines, le verbe « avoir » n'existe pas. Ah bon ? Prenons nos langues à nous, au Congo. En Lingala. Quand tu veux dire « j'ai un véhicule », tu vas dire « nazali na ». Je suis avec. Oui. Hein? En Swahili, si tu veux dire Nikona. Oui. Que ce soit en Kikongo, en Swahili, en Lingala, en Chiluba, c'est toujours je suis avec. Donc c'est l'être, c'est la culture de l'être. Oui. Le Ntou, le Ntou qui a donné Motu, qui a donné Bantu, n'est-ce pas? Eh bien, Mutu. C'est le tout, c'est l'homme, c'est l'être. Merci, monsieur l'abbé, parce que l'émission va se terminer dans quelques instants. Juste le temps de dire, et je vais convier cette... Quand vous considérez comment nous mourons dans le Sahara, là, vers la Libye, de soif, est-ce qu'on n'a pas à craindre une autre domination des autres sur notre race ? On va donner un peu d'eau aux gens par pitié. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'animalité modeste, Bonigaba ? Est-ce que le noir n'est pas en train de mourir, mon Dieu ? Mais malheureusement, nous sommes encore quelques-uns à s'en rendre compte. Parce que le combat que nous avons à mener est un combat, d'abord, total. C'est-à-dire... Tous les citoyens doivent être mobilisés. Vous avez une minute, hein? Oui. Mobiliser chacun là où il peut donner le meilleur de lui-même pour faire face à ça. Parce qu'aujourd'hui, comme M. Labbé me le répétait, nous avons un système qui fait que nous ne sommes pas toujours... ceux qui sont au sommet ne sont pas toujours la vraie émanation de cette base-là, consciente des enjeux et donc des défis qu'il faut relever. C'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Sinon, il n'y aurait pas ces morts dans le désert. Scandale. Est-ce qu'on n'est pas en train encore... Est-ce que nous on considère encore comme des êtres? Eh bien, c'est franchement. Là, c'est là la première des questions que... Au lieu d'aller au Niger, mais qu'on aille d'abord sauver ces gens qui meurent de soif, bon Dieu. La première question que je soumets à la réflexion de tous les Congolais et pourquoi pas de tous les Africains, c'est la question de qui suis-je? Qui suis-je? Suis-je encore un être humain? Pour moi-même d'abord. Est-ce que je me considère, moi, comme un vrai être humain?
Est-ce que je considère l'autre comme un être humain? C'est le qui suis-je qui est la question clé. Et une fois que nous nous sommes posé la question de qui suis-je, il faudrait que nous arrivions à la question d'où venons-nous? La connaissance de notre histoire, la maîtrise de notre histoire, d'où venons-nous? Le passage de l'être humain, d'un tout, n'est-ce pas, à l'objet qu'on a vendu comme outil de travail, la traite négrière, eh bien ça, ce sont des éléments historiques. Nous devions prendre conscience de d'où venons-nous et où sommes-nous aujourd'hui? À partir de cette histoire-là, qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Qui sommes-nous aujourd'hui? Et des objets qu'on laisse mourir de soif. Oui. Où sommes-nous aujourd'hui? Monsieur l'abbé, merci. Allons-y revenir. Je termine, n'est-ce pas, en disant, une fois que nous avons répondu à la question « Où sommes-nous ?», il faut que nous répondions aux deux autres questions, simplement pour dire « Où allons-nous ?» et la dernière « Où voulons-nous aller ?» D'accord. Nous reviendrons sur ce sujet la semaine prochaine, parce que, comme moi j'ai vu des images de mes frères, parce que sans doute qu'il y avait des Congolais aussi, mourir dans le désert de soif, et on les laisse mourir de faim, on est en train d'épiloguer, de parler sur autre chose, moi ça m'a révolté. Et vous, chers téléspectateurs, ça ne vous a pas révolté? Si ça vous a révolté, eh bien, essayons d'y réfléchir. La semaine prochaine, nous allons essayer, monsieur l'abbé, monsieur Bonigaba, d'y revenir. L'humanité est en train de disparaître. Absolument. Bonsoir, bonjour, et à la semaine prochaine. Donc,